Salut à tous, et on va essayer de faire une partie d'un jeu très particulier sur Amstrad. Alors, si j'arrive à le lancer déjà, normalement chiffre, ça va aller, voilà. Départ 1, 4, 1, ça me paraît bien. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, un jeu sur la série des Monty Python Flying Circus. Quand j'ai vu que j'avais ça dans mon ROM 7 Amstrad CPC, je me suis dit, allez, on le met sur la clé USB, on le charge dans le GoTech, et on y joue. Alors attention, je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Déjà, ça a l'air d'être plein de conneries, parce qu'on a vu que le meilleur score c'était 9999 points, ou quelque chose comme ça. J'ai aucune idée de ce que le jeu donne, j'ai aucune idée de ce que c'est exactement, voilà. Je l'ai juste chargé dans l'Amstrad et je me suis dit, on va faire comme on avait fait avec le jeu Renault. Oula. D'accord, on peut sauter. Ok, les poids de Seston, on est bien dans le jeu de Monty Python Flying Circus, je confirme. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais oui, j'y ai déjà joué. J'ai déjà joué sur un stream, le guide du collectionneur, je m'en souviens. Ok, et ben ce qu'on va faire, maintenant que j'ai enfin vu la série en entier, on va pouvoir se donner un élément de comparaison. Ah oui, je crois qu'il fallait aller vers le bas. Si je me souviens bien. Non? Ok. Oula. Alors j'ai enfin vu la série, il n'y a pas longtemps. C'est bien barré. Et je dois avouer, j'ai beaucoup ri en regardant ça. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu qu'il y avait j'avais le jeu dans mon ROM 7, j'avais la possibilité d'y jouer sur mon 6128. Alors, je ferai un upgrade prochainement où je mettrai un écran noir et blanc, un écran couleur. C'est juste que, pour l'instant, j'ai l'écran monochrome sous la main. Ok, donc là, le poids va tomber. Même poids, je suis étonné. Alors, pour ceux qui se demandent comment je fais pour charger, en fait, des jeux sur mon 6128, et ben, en fait, c'est pas compliqué. J'ai acheté un lecteur... GoTech, donc c'est un lecteur avec une clé USB, j'en ai pas encore parlé, mais je vous montrerai ça très prochainement. Il suffit de convertir les programmes dans un format que le lecteur est capable de lire. Voilà, j'aime bien le plus mauvais score d'aujourd'hui. Ils ont fait une conversion 8 bits du thème de le Flying Circus, hein, c'est excellent. Même si je comprends rien au jeu, en tout cas ça c'est quelque chose que je peux apprécier sans problème. D'accord, en fait on peut tirer en bas, j'avais rien dit tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ce buisson ardent? Aucune idée. Hop. Ah oui, par contre ce que je vais faire c'est que je vais poser la manette correctement sur le bureau. J'utilise le pad Atari, enfin la manette Atari classique. Et du coup, avec cette manette, j'arrive à jouer convenablement que quand je la pose sur... Voilà, quelque chose d'assez dur. Bon, bah, c'est d'aller le plus loin possible, en fait. Maintenant que j'ai pigé quelques... Maintenant que j'ai compris toute l'idiosyncrasie des développeurs, je pense qu'on devrait pouvoir arriver à quelque chose. Enfin... Ouais, non. En fait, il faut vraiment que j'ai la manette dans les mains. Moi j'arrivais pas à appuyer sur le bouton convenablement, c'est pas grave. Donc là ici c'est pas grave, faut attendre. Et on peut monter. Ok, j'ai voulu y aller en force, c'est pas grave. On peut aller ici? Non, c'est dommage. On peut aller en haut? Oui. Je suis où? Ah ok, je suis le machin qui rebondit. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est là, on voit quand même que j'arrive à gérer avec avec un pad Atari. C'est pas grave. Où est-ce qu'on peut remonter? Si je fais deux fois le même saut, non? Ça marche pas? Peut-être ici? Pas grave, vite, vite. Je voulais avancer pour... C'est bon, j'ai récupéré de la vie. Ah, je dois avouer une chose,
c'est sans doute l'un des jeux les plus inattendus, Barjo, machin. Mais c'est loin d'être un mauvais jeu quand on connaît un peu le délire de la série, justement, des Flying Circus. Par contre, cette histoire de poisson, je me demande d'où ça vient. Autant que je me souviens qu'il y avait un délire avec les fourmis dans un épisode de Flying Circus, mais... En même temps, je n'ai vu la série qu'une seule fois pour l'instant en entier. Donc sans doute quelque chose qui ne m'a pas... D'accord, ok. Mais ouais, c'est plus ou moins ce qu'on s'attend, je dirais presque à un jeu Amstrad, quoi. C'est, voilà, pas forcément des graphismes exceptionnels, mais un jeu où tu t'amuses quand même un petit peu en y jouant, faut pas déconner. Ah, zut. J'allais dire, sinon, ce qu'on peut faire, c'est essayer de rebooter le jeu pour aller vers un... Qu'est-ce que je fais? Ou bien, c'est... Voilà. Non. Faut aller dans le petit tuyau, non? D'accord. Et là, je crois que je peux descendre. Voilà, je m'en souviens un petit peu. En fait, j'ai dû y jouer une fois avant. Hop. J'essaierai de faire ça comme ça, peut-être une fois ou deux par semaine, si l'idée vous plaît. Faire un petit jeu Amstrad. Passer un petit quart d'heure comme ça, en mode détente. Essayer de découvrir aussi des jeux. J'ai vu aussi qu'il y avait un jeu très bizarre. Et c'était soit ça, soit Monty Python. Et comme ce soir, je pense regarder encore un petit DVD du Flying Circus, histoire de rigoler un petit peu. Donc je m'étais dit, on va se mettre dans l'ambiance. Il n'y a pas un boss dans le jeu? Si, il est là le boss. Il est là, je me souviens. Et je me souviens parce que il met 20 ans à décéder. Et en plus avec la manette Atari classique, je crois que je vais bien galérer. Hop, donc voilà, je voulais afficher l'écran entier, c'est pas grave. En fait, j'ai l'impression qu'au lieu de faire des scores, ça... Le diminue. Ah bah non. Ou alors faut aller en bas. Ils disent qu'il faut aller là ici quelque part. Non. C'était du troll. Je suis étonné que ce jeu soit pas. Attendez. 19, 18. Ouais, c'est ça. En fait, le score, en fait, au lieu d'augmenter en bas, il diminue. C'est une idée. C'est totalement... Ouais, c'est totalement une idée. Y a pas d'embrouille. Ah, zut. Game over. Alors, on va quand même retenter une fois, parce que c'était quand même assez sympa. Je vais vous faire découvrir peut-être le thème des Flying Circus en version 8-bit. Parce que je l'ai trouvé assez rigolo, voilà, on va essayer de le laisser un peu tourner. Il me semble que ça... Voilà. Désolé. Allez, du coup, on va se faire une dernière petite partie. J'ai failli éteindre l'Amstrad sans faire attention. Alors, j'espère que j'ai pas mis le son trop fort. Donc, ça devrait aller. Donc, si vous voulez l'essayer, bah, ma foi, c'est digne de la série. Savoir qu'il y a plein de délires en tout genre. Par contre, j'arrive pas à comprendre exactement à quoi ça fait référence, en fait, le personnage. Et c'est ça qui m'obsède depuis que je suis en train de jouer au jeu. Parce qu'autant quand je connaissais pas la série, bon, je m'en foutais un peu. Et là, j'ai regardé l'ensemble des quatre saisons. Avec d'ailleurs des délires assez... assez extraordinaires, je dois l'avouer.
D'ailleurs, je dois avouer une chose, le truc qui m'a le plus impressionné dans la série Flying Circus, c'est sans doute les... Ah, mais je joue quand même à pied. Sans doute les illustrations de... Je crois que c'est Terry Gilliam, hein, aux illustrations. J'ai adoré les séquences en cartoon. C'était vraiment violent. Hop! Voilà, au cas où. Vraiment. Normalement, j'ai tout récupéré. Voilà. Je sais pas exactement ce que ça fait à part des points, mais... Par contre, j'ai l'impression qu'il y a des pièges qui se triggerent pas d'eux-mêmes. Je me demande si c'est fait exprès. Sans doute, quand on voit... Faudrait que je regarde s'il n'existe pas d'autres jeux quand même sur la licence des Monty Python, parce que là c'est quand même un sacré ovni ce truc. C'est pour ça que j'aime bien en fait les micro-ordinateurs 8 bits. Il y a une telle liberté de développer des jeux là-dessus. On peut se retrouver avec des trucs tellement barjots. Et en plus apparemment c'est pas un jeu fait par des fans, c'est pas un fan game, apparemment c'est vraiment quelque chose qui existe. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, ils ont accordé des droits d'exploitation à des gens pour développer un jeu. Ça, c'est une histoire assez folle, quand même. Et en plus, sur Amstrad, faudrait que je vérifie si le jeu n'existe pas sur Spectrum, parce que l'Amstrad, c'était quand même l'ordinateur qui était un peu détesté au Royaume-Uni. À cause surtout des extravagances de son patron, du patron d'Amstrad, Alan Sugar. On va essayer d'avancer, tant pis. Allez hop, je fonce. Il me semble que c'était au bout de l'allée le boss. Wow! Je comprends pas trop encore les subtilités du jeu, mais en tout cas, c'est assez barjot. Et ça, j'aime bien. Ah oui, c'est vrai. Ouais, donc, le boss était vraiment pas au bout de l'allée, il était quand même assez loin. C'est pas grave. En tout cas, prochainement, parmi les nouveautés, il y a Tekken 7 qui sort dans 3 jours, 4 jours. Je pense en faire pas mal. Et je pense aussi faire des sessions en live. Alors attention, au jeu de baston 3D, je suis extrêmement mauvais. Mais ça m'empêchera pas d'y jouer et sans doute de rigoler un petit peu. Donc si vous voulez faire des sessions, bah, n'hésitez pas à me contacter. Bon. Ah, mais zut, il reste une vie. J'étais tellement persuadé. Ah bah, d'accord. Bon, et bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo amstradienne vous aura plu. Si vous avez des ovnis sur Amstrad que vous voudriez me conseiller, bah n'hésitez pas, parce que je pense que j'essaierai de faire une vidéo ou deux par semaine pour vous présenter comme ça en 10 minutes, un quart d'heure, un petit jeu Amstrad des familles. Mais pas forcément des choses très connues, ou même peut-être des fois pas forcément des bons jeux. Même si des bons jeux, on va en faire un. J'ai bien envie de faire Exolon prochainement. Enfin voilà, allez, sur ce, je vous laisse, et puis des bisous, et à très bientôt.